Bon, aujourd'hui, on va tester l'escalade. Alors, pour une personne paraparétique qui sent pas ses pieds, ça va être un peu compliqué. Mais bon, comme rien n'est impossible, j'ai envie de tenter. Let's go! A few moments later. Allez, c'est parti. Allez, bon. Première séance. Bon, on va dans la petite salle, hein, parce que... La petite salle, je suis pas sûre qu'elle soit si bien. La petite salle, facile, peut-être pas normal, mais pas l'équivalent. En tout cas, j'étais pas trop chaud pour commencer par ce numéro-là. Ouais, je suis pas. T'es là pour m'assurer. Ouais. Donc là, tu peux grimper. Donc là, je vais pouvoir grimper. Voilà. Enfin, normalement, on essaie de mettre des couleurs, mais là, j'ai déjà essayé de mettre un pied. Ouais, bah, ça va pas être facile. Du coup, t'as terminé bonnes. Les roses sont bonnes si tu veux. Là, c'est sur le côté là, par là. Alors attends. Franchement, j'en sais rien. Allez, Axel. Ouais, j'essaie d'imaginer comment tu me prêtes. Si, si. Et les deux. Il y a pas de soutien, je peux pas dire, mais... Si tu veux, tu peux tomber. Il n'y a pas de problème. Là pour descendre. Bon alors Jean-Baptiste, merci pour cet essai. Avec plaisir. Alors depuis combien de temps le club existe? Alors l'association Ladoule, c'est une association qui existe depuis 1984, officiellement. Hein, qui était implantée dans le quartier des Bois Blancs. Ouais. Et qui est axée sur les sports de pleine nature. D'accord, ouais. Tous les sports de pleine nature en milieu urbain et qui dont le but c'est l'insertion sociale et professionnelle. Même paraplégique, on peut faire l'escalade. Oui. Voilà, ça c'est important de le signaler. On adapte les. Alors, par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir adapter les prises. D'accord. Hein. D'avoir une texture plus agréable, plus confortable, et puis une taille de prise qui permette, quand on a les chaussures orthopédiques, de pouvoir se poser et puis d'avoir un appui, enfin ce qui peut ressembler à un appui de poussée. D'accord. Parce que si on fait tout à la force des bras, on s'épuise assez vite. Ouais. Puis là, on est dans une petite salle, donc elle n'est pas très haute, mais elle est accessible et elle est démocratique. Ouais, carrément. Mais tous les sports, enfin, tant c'est ça mieux que. Mais compte. L'escalade, je pensais pas que c'était. Tous les sports c'était sont accessibles. C'était accessible pour les personnes. Il faut être plus ingénieux et. Donc voilà. Si, bien au contraire. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir reçu. Un grand plaisir. Et à la prochaine, j'espère. À la prochaine. Première séance d'escalade, première séance de ma vie. Bon, c'était super. Une bonne ambiance, une petite salle vraiment cool. Un peu difficile au début de s'adapter parce que je sens pas mes pieds. Donc un peu galère de devoir, on va dire, à chaque fois trouver des solutions pour pouvoir mettre un appui. Mais au final, j'ai réussi. Donc une victoire, deux grimpettes. Donc expérience à renouveler. J'espère qu'on pourra réitérer ça. Mais en tout cas, on a bien aimé. Et on voit que malgré le handisport, malgré le handicap, on peut faire plein de choses. Donc voilà, prochaine vidéo, on sera toujours dans le coin. Mais cette fois en bateau, sur l'eau, un domaine que je connais bien. Donc on va essayer l'aviron handisport et le kayak handisport. Donc des nouvelles vidéos à venir. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager bien sûr. Et vous abonner pour voir toutes les vidéos. À bientôt.